Moi, je suis un artiste peintre. Je le suis devenu. Tout au début, je ne sais pas me nommer artiste. Mais depuis l'enfance, j'ai combattu ça. Et je suis, comme je le crois, un donneur de sens. L'art, comme je l'entends, à l'intérieur de la poésie, est la voix de l'être dans sa totalité extérieure et surtout intérieure. Et nous sommes tous ainsi reliés dans une réalité commune qui est celle de notre réalité intérieure. Que la peinture, c'est de la poésie. D'un seul coup, la poésie est tout. La poésie est partout. Et sans s'arrêter, jour et nuit, 7 jours sur 7, la poésie est là. Et une des formes qui prend la poésie, c'est la peinture. À un moment donné, arrive ce qui est arrivé au Chili. Je ne pouvais pas ne pas faire partie de la chose. Et j'ai passé 2 heures à vivre dans un bidonville, et qui plus est, comme un organisateur de la chose. Il fallait s'engager, et c'était flagrant, et il y avait d'un seul coup, même ma mère, qui était une femme très timide, docile et analphabète presque, elle m'a dit en catimini qu'elle aussi, elle allait appuyer Allende. La poésie, chaque fois qu'on relit la poésie, les cheveux se dressent à nouveau, c'est comme revenir à l'instant initial quand tu as écrit ces mots. Hola, soy Carlos Monsalve, hermano del pintor, escultor y poeta radicado en Capendú, al sur de Francia. El año 2015 pude visitarlo después de 40 años de su partida de Chile. Pude conocer su atelier y su gran obra, su profusa obra en pintura, grabados, escultura y poesía. Sobre todo poesía, poesía escrita y poesía visual. Tomé mi cámara fotográfica y empecé a registrar parte de ese gran material. A mi regreso a Chile, pensé, ¿qué puedo hacer con todo esto? Y surgió en mí la respuesta clara. Tengo que hacer un libro que muestre esto, que narre su vida y que pueda visibilizar ese trabajo prácticamente desconocido. Y en ello, además, plasmar la relación que tenemos ambos como hermano y como seres humanos de mutua admiración y gran cariño.